Bonjour à tous et à tous et à toutes. Alors je m'excuse par avance de cette voix d'outre-tombe, mais vu que je ne vais pas beaucoup parler et que c'est mes deux invités ici présentes qui vont pouvoir développer le sujet, donc AMP Travail, le temps que tout le monde arrive, je présente quand même les deux invités. Donc il y a Madame Liora Benamou, vous êtes avocate à Bordeaux. Et après, vous pourrez nous expliquer peut-être un petit peu plus si votre spécialisation sur le droit du travail ou le droit des entreprises. D'accord. Et bonjour, Bonjour à excusez-moi. tous. Et Madame Nathalie Tissot, alors vous êtes journaliste, donc on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises parce que vous êtes intéressée du point de vue sociétal, du point de vue entreprise, comment l'infertilité, l'AMP impacte à la fois le salarié, la salariée, mais aussi l'entreprise. Et donc, on essaiera de développer avec vous un peu deux aspects de cette question-là. Un aspect, justement, ce que je viens de dire, et puis l'aspect santé au travail et son impact sur la fertilité. C'est ça. Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette table ronde sur ce sujet, qui est un sujet très important pour notre association, parce que là, vu nous sommes dans les 10 ans de l'association, on fait un peu des commémorations. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui, dès 2013, au moment de la création de l'association, les bénévoles se sont engagés, ont pris le sujet à bras-le-corps et se sont dit, il faut que ça change. C'est-à-dire, on ne peut plus être dans la situation où on doit bidouiller avec les collègues, on doit poser des RTT, des congés, et puis au bout d'un moment, on n'a plus de congés. Donc, on est soumise à une pression, il y a une charge mentale extrême parce qu'on doit essayer d'articuler le mieux possible nos parcours d'AMP avec tous les rendez-vous, voilà, qu'on connaît, que tous les gens qui assistent à cette table ronde connaissent bien, à la fois les rendez-vous de bilan, les rendez-vous de monitoring du cycle. Et donc, je vais la nommer parce que je trouve que c'est important. C'est Nathalie qui, à l'époque, avait constitué un dossier. Et avec ce dossier, on faisait le point sur la situation, ce qui se passait pour les patients en parcours d'AMP. Et on faisait des propositions. Donc, avec ce petit dossier, on est allé rencontrer plusieurs députés, sénateurs. Voilà. À l'époque, on était une petite association, les gens ne nous connaissaient pas beaucoup, mais on avait eu quand même quelques oreilles attentives. Et puis en 2016, il y a eu une révision de la loi santé. Et les sénateurs, sénatrices, je dirais plutôt, puisque c'était la commission du droit des femmes, ont introduit une possibilité d'évolution dans le code du travail. Mais c'était très restreint finalement, et nous, on voulait ajouter des choses. Déjà, on voulait ajouter les hommes, parce que les parcours d'AMP, c'était pas que les femmes, la charge mentale ne doit pas peser que sur les femmes, et que les hommes ont aussi des problématiques d'infertilité, sont aussi des salariés, et les parcours, en tous les cas à l'époque, hétérosexuels, se faisaient à deux. Donc on a vraiment voulu faire exister la part des hommes dans cette histoire-là. Et on a mobilisé nos adhérents, et je dois dire qu'il y a certains adhérents qui, au niveau local, ont pu avoir des rendez-vous avec leurs députés. Il y a une députée qui s'appelle Shaïnès Khirouni, qui, à l'époque, s'est saisie du sujet et a défendu nos demandes, notre point de vue. On a pu rédiger ensemble les amendements. Alors, on a fait des divers amendements. On a fait des amendements qui étaient très ambitieux, mais à un moment, il y avait beaucoup de discussions. On se disait, si on demande trop, on risque de tout perdre. Donc, on est revenu un petit peu à la baisse. Et donc, en décembre 2016, ça a été le vote de cet article 87, je crois, de la loi santé, qui pour nous était notre première grande victoire et qui ensuite a permis à de nouvelles générations de personnes entrant en AMP de pouvoir bénéficier donc des autorisations d'absence pour les parcours d'AMP. Alors, ça n'a pas été simple, mais en tous les cas, on est passé dans une autre dimension. Madame Benamou, est-ce que je peux vous laisser en tant qu'avocate, experte du droit, de la loi, du code du travail, nous présenter un peu, pour les gens peut-être qui ignorent ce que c'est que les autorisations d'absence aujourd'hui?
Merci beaucoup. Alors, déjà, merci à l'association de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. À titre liminaire, juste comme ça, pour votre information, j'ai moi-même suivi un parcours PMA pour ma fille, qui s'est abouti par un succès puisqu'elle a aujourd'hui 2 ans et on est les parents les plus heureux du monde. Donc, je sais par quoi vous passez. Et pour moi-même, avoir malgré tout, vécu des situations inconfortables au travail, hein. Les avocats sont pas forcément les mieux lotis, hein. Donc voilà, je peux d'ores et déjà vous dire que je suis de tout cœur avec vous toutes et tous. Je crois qu'il n'y a pas d'homme connecté pour l'instant, mais parce que je sais que c'est un parcours qui est éprouvant émotionnellement, physiquement, et que être à 100% concentré dans ses fonctions alors qu'on en vit des rendez-vous tous les 2 jours, des piqûres, des déceptions, des échecs à répétition, c'est pas simple. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite introduction. Donc moi je suis avocate effectivement depuis une dizaine d'années. J'exerce actuellement à Bordeaux. J'habitais en région parisienne avant. J'exerçais à la Cour d'appel de Paris. On a rejoint la belle région bordelaise il y a quelques années. Et je suis spécialisée effectivement en droit du travail. Donc j'accompagne principalement les entreprises au quotidien, mais je peux bien sûr aider des personnes qui sont salariées. À résoudre ce type de problématique-là. Je l'ai déjà fait par le passé, notamment sur LinkedIn. Je suis assez contactée par des personnes qui ont ce type de problématique-là, c'est-à-dire des refus d'absence autorisés par la loi, de la discrimination, du harcèlement, enfin tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec un parcours PMA. Donc voilà, petit rappel légal, on va dire, le cadre le plus général que je pourrais vous donner ce matin, c'est que c'est dans le Code du travail, vous avez le droit, en tant que personne subissant un parcours de procréation médicalement assistée, à des absences pour les examens médicaux nécessaires. Le terme employé dans le Code du travail, c'est ça, examens médicaux nécessaires. Alors, ce n'est pas forcément précisé dans le Code du travail, c'est un renvoi au Code de la santé publique. Et en fait, ce qu'on comprend des textes, du coup, à défaut de précision plus complète, c'est que vous avez le droit donc à des absences pour l'ensemble des examens qui vont avoir lieu dans le cadre de votre parcours, que ce soit des stimulations simples, des inséminations, des FIV. Tout protocole va donner lieu à des examens qui vont être estimés nécessaires par les médecins qui vous suivent et donc, du coup, deviennent des autorisations d'absence autorisées, obligatoires pour vos employeurs. En revanche, pour les conjoints, conjointes, puisque du coup le parcours évidemment a été ouvert pour les couples homosexuels, peuvent par contre se rendre aux examens médicaux nécessaires pour chaque protocole, mais dans la limite de 3 examens seulement. Ça, c'est également dans le Code du travail. Ça, c'est pour le cadre légal, sachant que de plus en plus, et ça je le constate chez mes clients qui sont des entreprises principalement, on constate de plus en plus qu'il y a des mesures plus favorables qui sont mises en place en interne, soit par usage, soit par accord tacite avec vos employeurs, soit par accord collectif, soit carrément par la branche qui est possible, hein. Donc n'hésitez pas, si vous êtes effectivement d'une bonne disposition avec vos supérieurs hiérarchiques et si vous sentez capable de le faire, hein, d'en discuter avec vos supérieurs, avec votre DRH, avec un interlocuteur qui a pu être désigné. Santé, sécurité dans vos entreprises respectives, s'il y a effectivement des mesures plus favorables qui ont été mises en place. Et là, on va penser à Carrefour, par exemple. Nathalie pourra rebondir là-dessus. Nathalie, qui a fait d'ailleurs un article sur ces mesures pour les entreprises engagées liées à l'AMP. Carrefour qui a mis en place notamment 12 jours pour les femmes atteintes d'endométriose à condition qu'elles puissent justifier d'une reconnaissance travailleur handicapé, pardon. Donc, ce n'est pas forcément le plus simple, puisque je crois qu'il y a eu beaucoup de refus, il me semble, dans les dossiers. Mais en tout cas, un jour, et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, un jour de congé rémunéré pris en charge par l'entreprise, donc ça ne sera pas imputé sur vos congés payés, un jour pour les transferts d'embryons, ce qui est une avancée sociétale assez importante, même si ce n'est pas énorme, c'est déjà ça, parce qu'on sait que ces jours-là, on n'a pas envie de retourner au travail après, clairement. Et puis, on a subi une dizaine de jours, quinzaine de jours de traitement au préalable. On a besoin de se reposer. Donc, c'est déjà très bien que ce soit mis en place. Voilà, je ne sais pas si Nathalie, peut-être que tu voudrais rebondir sur ça. Oui, bah c'est vrai que du coup il y a eu cette mesure-là de Carrefour. Il y a aussi AXA effectivement qui a mis en place jusqu'à 5 jours de congés rémunérés. Alors c'est pareil, ça concerne les personnes
En FIV, et il y avait donc ces 5 jours de congé payés par an et 2 jours pour la partenaire. Donc ça, c'était pas mal aussi parce qu'ils prennent en considération aussi le ou la partenaire. C'est quand même un point aussi assez important d'associer les conjoints, conjointes à ce parcours-là. Après, en revanche, ça ne concerne pas les femmes qui sont, par exemple, dans des démarches de congélation d'ovocytes qui concerne quand même de plus en plus de monde depuis la loi bioéthique. Donc ça, c'est encore pas encore trop pris en compte. Après, ce que je trouvais aussi bien avec Carrefour, c'est qu'ils ont associé cette mesure à toute une campagne de communication. Et c'est vrai qu'il y a beau avoir des textes de loi, etc., si on veut que ces mesures, elles soient efficaces, effectivement, il faut quand même les accompagner de communication. Ça paraît quand même un point important. Et après, au-delà des grands groupes, il y a aussi des entreprises qui peuvent être un peu moins importantes, qui peuvent aussi s'impliquer de plus en plus. Voilà, j'avais par exemple le témoignage d'une personne qui, dans son entreprise, ils avaient autorisé le télétravail entre deux interventions. Voilà, 100% télétravail. Voici des mesures peut-être qui sont un peu plus simples à mettre en place et qui peuvent être mises en place aussi dans des plus petites entreprises. Et là-dessus, la charte du Parental Challenge, donc qui prend de manière plus large les questions de parentalité, etc., est assez bien parce que donc voilà, elle engage les entreprises aussi sur des mesures un peu plus simples à mettre en place, mais qui peuvent quand même faciliter la vie des personnes concernées. Et donc, parmi les mesures proposées, il y a aussi la garantie de la confidentialité aux couples en parcours d'AMP qui doivent s'absenter. Donc voilà, cette confidentialité qui permet de ne pas forcément parler de son parcours à l'employeur, parce que c'est souvent un frein, en fait. C'est vrai que moi, dans tous les témoignages que j'ai pu avoir, il y en a quand même beaucoup qui ne veulent pas parler de leur parcours. Voilà, à l'employeur, ou qui se posent beaucoup ces questions, vous le disiez Virginie, ça leur demande beaucoup d'énergie, en fait, cette question de est-ce qu'on en parle, à qui on en parle, aux collègues, aux supérieurs, quand est-ce qu'on en parle, au premier échec, au deuxième échec, enfin, c'est, voilà. Donc, il y a vraiment ces grosses questions-là qui se posent, en plus de ces absences, donc parfois qu'on n'utilise pas, donc on se met en arrêt maladie, mais avec la carence, on est parfois pénalisé. Le travail qu'on n'aura pas pu faire ce jour où on s'est absenté, comme on n'est souvent pas remplacé, il est repoussé. Donc voilà, c'est du stress en fait. Souvent, le travail est perçu comme un stress supplémentaire à un parcours déjà compliqué à vivre. Donc ça, c'est vrai qu'instaurer un climat un peu plus, un peu plus serein permettrait sûrement de soulager les couples. Et surtout, effectivement, associer les partenaires, ça semble être aussi un point assez important, en tout cas récurrent un petit peu dans les témoignages que j'ai eus. Alors, on avait fait une petite enquête fin 2021 sur vécu des femmes. Alors là, c'était que les femmes en parcours d'AMP et 84% des femmes qui avaient répondu disaient que l'AMP a des répercussions sur leur vie professionnelle. Bon, ce qui fait beaucoup. Et puis 94% des femmes énonçaient que les parcours étaient très stressants. Alors après, j'ai pas les détails sur les natures du stress, mais c'est vrai que la question du travail est très importante parce qu'il y a ce que dit la loi et aussi comment ça se passe en pratique. C'est-à-dire que nous, on est souvent interpellés par des gens qui ne veulent pas en parler parce qu'ils savent que si c'est dit au responsable ou à la DRH ou au directeur, au café de midi ou au lendemain à la cantine, tout le monde saura que, oh là là, mon Dieu, tu comprends, il faut qu'elle s'absente parce qu'elle est en parcours d'AMP. Alors que dans les faits, le droit quand même protège la vie privée. Donc comment on peut faire pour que ces droits-là soient respectés? Parce qu'après, on peut attaquer pour dire mon droit n'a pas été respecté, mais l'objectif, ça serait comme en santé, en fait, faire de la prévention. Qu'est-ce que le travail des entreprises sur la prise de conscience de la question, enfin de ce sujet-là, permet des évolutions aussi à ce niveau-là? Je ne sais pas si vous constatez ça, Yora.
Au niveau de la prévention, c'est ça, hein? Oui, la prévention même du secret, du secret au sujet de la Alors, santé et de la vie privée des gens, quoi. non, absolument pas, hein, malheureusement, pas d'avancée constatée sur le quotidien, en tout cas des salariés qui ont affaire à ce type de parcours. Malheureusement, la loi ne les protège pas non plus, puisque si on n'en parle pas, on ne bénéficie pas de ces autorisations d'absence, on ne bénéficie pas de cette protection qui est calquée sur la protection des femmes enceintes, d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que si vous subissez une discrimination à l'embauche ou à la rupture du contrat de travail lié au parcours PMA, vous pouvez agir en justice et demander notamment, par exemple, la résiliation judiciaire de votre contrat de travail qui sera requalifié en licenciement nul, ce qui est très très lourd pour les entreprises, hein, licenciement nul, puisque vous pourrez justifier du fait que vous avez subi un préjudice moral très important lié à une discrimination du fait de votre parcours. Donc, cette protection-là n'aura pas lieu d'être si vous n'en parlez pas, malheureusement. Et ça, c'est la situation actuelle, hein, la situation du Code du travail. Donc, on a bon espoir que ça évolue. Alors, je sais qu'il y a quand même une évolution qui n'a rien à voir avec les parcours PMA, mais qui a à voir avec le lancement d'alerte dans les entreprises. Ça a bougé à ce niveau-là. Les entreprises mettent en place maintenant des comptes dédiés, des adresses mail dédiées, des plateformes anonymisées pour dénoncer des situations de harcèlement moral ou sexuel, par exemple, qui pourrait finalement se rapprocher de votre situation si toutefois votre entreprise a mis en place ce type de mesure pour livrer votre situation de souffrance au travail liée à votre parcours PMA et pouvoir délivrer cette information à qui de droit, qui sera donc un représentant de la direction, sans forcément que votre nom apparaisse, pour commencer à mettre en place des mesures anonymisées pour pouvoir bénéficier de cette protection sans forcément révéler votre identité. Voilà, ça peut être des mesures comme ça, mais pour l'instant, rien n'est fait, malheureusement. Donc, voilà, à part ce que disait Nathalie tout à l'heure, l'arrêt maladie qui vous permettrait d'avoir un temps de repos, mais qui n'est pas rémunéré souvent sur les 3 premiers jours parce que c'est la carence de la sécurité sociale. Les congés payés qui vont vous être déduits, du coup, si vous vous absentez aussi, ça va être une autre option, mais vous perdez des congés alors que vous avez le droit des absences autorisées. Enfin, voilà, c'est. Le droit du travail français est encore en balbutiement hein, sur cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, je finis sur ma lancée, ce que je peux vous dire, c'est que les juridictions du fond vous suivent, puisqu'on a pas mal de jurisprudence, de cours d'appel et de cours de cassation qui ont été rendus notamment en 2023. Donc c'est un peu, je trouve, le temps de recul par rapport à la loi bioéthique notamment, qui vont dans le sens des salariés, très protectrice pardon, des salariés, puisque. Donc, il y a eu deux affaires. Cour d'appel de Douai en mai 2023, notamment, qui a accordé la nullité du licenciement d'une salariée qui a réussi à prouver qu'elle vivait une discrimination liée à son parcours. Et alors, cette discrimination a été justifiée par le fait que son employeur lui demandait de rattraper ses heures passées aux rendez-vous médicaux. Donc, si l'une d'entre vous vit cette situation, sachez que c'est pas normal, hein, parce que parfois on a tendance à penser que son employeur fait les choses correctement. Hein, c'est tout à fait illégitime de demander à une salariée de replanifier les heures passées aux rendez-vous médicaux PMA dans l'entreprise. Donc, elle a réussi à prouver donc cette discrimination et à obtenir la nullité de son licenciement. Et cour d'appel de Versailles du 12 avril 2023, qui est assez inédite puisque ça concerne le conjoint d'une femme en parcours PMA qui a été licenciée pour faute grave parce qu'il s'est absenté pour assister au transfert d'embryon de son épouse, sauf qu'il s'agissait de sa 4e absence. Donc l'employeur a dit, c'est une absence injustifiée, vous êtes en abandon de poste, vous n'aviez droit qu'à 3 absences par le Code du travail et pas 4. Il a saisi le conseil de prud'homme, s'est monté donc jusqu'à la cour d'appel de Versailles. Et la cour d'appel lui a donné raison en disant que finalement son licenciement a été sans cause réelle et sérieuse, pas nul cette fois-ci, c'est la sanction inférieure pour l'entreprise, parce que le salarié avait prévenu son absence, il avait un certificat d'absence médicale donné par la clinique pour justifier qu'il était bien au rendez-vous ce matin-là pour le transfert d'embryon de son épouse, et que du fait de son absence de passé disciplinaire dans l'entreprise et du fait qu'il avait tenu à informer son employeur, la faute grave n'était absolument pas caractérisée. Donc finalement, la cour d'appel a été plus loin que le Code du travail, qui n'autorise que 3 absences pour les conjoints. Elle a dit, là, c'est 4 absences, mais le salarié a vraiment mis tout en mesure, tout en œuvre pour limiter, on va dire, les dysfonctionnements, la désorganisation dans son entreprise et s'absenter pour son épouse. Donc
le licenciement était injustifié. Donc voilà, on est sur une bonne lancée. Peut-être que le législateur va suivre pour accentuer les droits des salariés et des conjoints des personnes en parcours. Mais pour l'instant, voilà, pas de prévention mise en place dans le code et dans la jurisprudence liée au droit à la vie privée, au secret de ce parcours. Mais est-ce que la Cour d'appel s'est pas appuyée aussi sur le code de la santé publique qui indique que les parcours d'AMP pour les couples, que ce soit des couples hétéros ou des couples de femmes, se font à deux. C'est-à-dire que il est exigé par le code de la santé publique la présence, si on reste sur un couple hétéro, de l'homme à toutes les étapes du protocole. Et il y a des rendez-vous où il faut qu'il soit là. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il est, parce qu'il faut qu'on vérifie son identité. Donc Exactement. Tout à fait. Après, ce qui est difficile, je trouve, c'est prouver la discrimination. Là, on a été en contact récemment par une dame qui est en difficulté avec son employeur. Alors là, on est sur un autre champ, c'est la fonction publique territoriale. On pourra développer peut-être un petit peu où tous les échanges sont verbaux. Le harcèlement, les critiques, les remarques, tout se fait oralement. Donc je pense que dans ces conditions-là, c'est plus difficile d'avoir une preuve. C'est sûr. Le droit de la preuve, c'est la probatio diabolica, comme on le dit chez nous les juristes. C'est une preuve diabolique à obtenir, surtout dans les affaires de harcèlement. Il faut qu'elle se tourne vers les instances qui sont là pour elle. Alors, je ne connais pas bien la fonction publique, puisque nous, on est vraiment en droit privé, mais nous, en tout cas, en droit privé, on a normalement les instances représentatives du personnel qui sont là pour aider aussi, faire des signalements à la médecine du travail, à l'inspection du travail, enfin, voilà, faire jouer le maximum d'acteurs qui sont là pour les salariés, hein. Alors, public ou privé, le public, je ne sais pas trop quelles sont les instances, je pense que le préfet est une instance pour les fonctionnaires auxquels on peut émettre des signalements de ce type de situation-là. Le fait d'émettre des signalements alors qu'on est encore en contrat de travail, soumis au contrat de travail, peut être une preuve admissible hein, dans le cadre d'un contentieux. Voilà, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de SMS ou d'attestation. Le fait que le salarié s'est plaint à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie et auprès d'instances extérieures peut prouver le harcèlement aussi. D'accord. Nathalie, dans les différentes enquêtes que vous avez faites, est-ce Sur cet aspect de discrimination, de toute façon, c'est vrai que ça rejoint les autres discriminations et c'est vrai que les entreprises, elles sont quand même un peu plus engagées, j'ai l'impression, aujourd'hui, là-dessus. Et voilà, après, c'est sûr qu'il y a toujours une différence entre les gros groupes qui peuvent mettre en place un certain nombre de choses. Il y a aussi des lignes, on n'en a pas forcément parlé, mais il y a des fois des plateformes téléphoniques, soutien psychologique, voilà, dans les gros groupes qui sont là pour toutes les raisons qui amèneraient un salarié à se sentir mal à un moment donné et donc qui peuvent servir aussi dans ces moments-là. Mais voilà, après, dans les petites entreprises, c'est plus, à mon avis, plus compliqué, quoi. Compliqué, oui, parce qu'on se retrouve vite, très vite dans un face-à-face avec son employeur et sans tiers et sans interlocuteur. Et justement, il y a la médecine du travail, où on essaye toujours aussi de renvoyer les personnes vers les médecins du travail. Ils ne sont pas forcément au courant. Nous, en Normandie, on avait rencontré à une époque tous les médecins du travail pour les sensibiliser aux questions de fertilité, d'infertilité, d'AMP. Et dans le monde du travail, Nathalie, vous, dans les enquêtes que vous faites, vous voyez que le sujet reste quand même compliqué, que c'est... Alors l'un des grands sujets compliqués là, c'est que j'ai vu dans la dernière enquête que j'ai faite là pour Mediapart, qui a été publiée d'ailleurs hier soir et qui concerne donc l'infertilité et les risques liés à l'activité professionnelle. Donc là, on parle vraiment des expositions professionnelles et des répercussions qu'elles peuvent avoir sur la fertilité. Là, on voit bien aussi que c'est un aspect largement ignoré, non seulement par les entreprises, mais aussi par la médecine du travail. Ils ne prennent pas en considération bah, l'exposition, par exemple, enfin, aux protoxiques, ce n'est pas là une priorité, quoi. Ça paraît quand même assez clair. Et pourtant, ces expositions professionnelles, elles peuvent impacter la fertilité.
Alors, il y a les substances toxiques, les pesticides, qui ne concernent pas forcément que les agriculteurs, hein. Et une sociologue que j'ai interrogée, qui depuis des années soutient les victimes de maladies professionnelles, voilà, et qui me rappelait que voilà, les pesticides, ils peuvent être aussi utilisés dans la filière de traitement du bois, les dockers qui doivent véhiculer des marchandises amenées en vrac, voilà. Il y a les rayonnements ionisants. Donc, tous les salariés du nucléaire, santé, industrie, personnel navigant dans les compagnies aériennes sont exposés. Il y a la chaleur pour les hommes, par exemple les boulangers ou toutes les professions voilà, où les hommes peuvent être en contact avec la chaleur. Il y a aussi le travail en décalé. Alors là, les études sont un peu moins le lien entre travail en décalé et problème de fertilité un peu moins évident, mais enfin ça impacte de toute façon indirectement l'alimentation, le sommeil, donc ça impacte les cycles aussi. Et puis il y a plein d'autres risques comme le stress, la posture, qui sont encore mal évalués parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches. Voilà, l'aspect aussi cumulatif de ces expositions, ben, on le connaît mal, pareil. Il n'y a pas vraiment de recherche, ça, toutes les personnes que j'ai interrogées déploraient ça. Et puis, il y a quand même eu des études qui existent sur un certain nombre de toxiques depuis très, très longtemps. Donc, on sait que ces toxiques ils peuvent avoir un impact donc, sur le processus de reproduction, pas forcément que sur la conception, mais aussi sur le développement du fœtus. Et pourtant, il y a encore des salariés exposés. Et alors, le truc aussi des expositions professionnelles. Ça, il y a deux médecins biologistes de la reproduction qui me disaient ça, c'est-à-dire que les expositions professionnelles, à la fois donc que ce soit à des reprotoxiques chimiques ou des reprotoxiques physiques comme la chaleur, radiation ionisante, etc., elles sont toujours sur des durées plus longues et à des niveaux beaucoup plus élevés que ces mêmes expositions dans la vie de tous les jours. Donc, il faut quand même les prendre en considération. Ça paraît quand même assez important. Et en tout cas, c'est vrai que l'exposition professionnelle devrait peut-être être beaucoup plus questionnée voilà, quand il y a des troubles de fertilité. Alors, il y a cinq plateformes quand même en France. Donc, c'est Marseille, Bordeaux, Rennes, Créteil et Paris, donc du réseau Prévenir, qui explorent ces expositions professionnelles comme les expositions comportementales ou environnementales. Il y a des médecins du travail qui sont associés. Donc, ça, c'est déjà bien. Mais voilà, ça reste que sur cinq plateformes en France. Voilà. Et puis, il y a aussi un gros problème de sensibilisation des hommes à ça, alors qu'ils sont bah, concernés. J'en parlais pour la chaleur, mais du coup, ils sont même plus concernés que les femmes et ils sont jamais sensibilisés voilà, à ces risques-là. Et je veux dire, même au-delà de les sensibiliser à ces risques professionnels, on se dit aussi, enfin moi je me suis dit que voilà, le travail, ça pourrait être aussi une entrée pour parler de ces questions de fertilité aux hommes, parce qu'en fait, ils n'ont jamais de rendez-vous, enfin les femmes ont des rendez-vous gynéco, etc., mais les hommes, voilà, se posent pas forcément les questions. Donc on peut se dire aussi que le travail, après tout, ça pourrait être une entrée pour parler de ce sujet. Et voilà, et après, bah, il y a l'affaire aussi de Tétra médical. Je sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant, mais qui est assez importante sur ces expositions professionnelles. Donc, en fait, ces salariés donc, ils travaillaient pour le laboratoire Tétra médical d'Annonay et de Saint-Cyr-en-Val. Voilà, un laboratoire où ils fabriquaient donc, du matériel médical qui était stérilisé à l'oxyde d'éthylène, qui est un toxique voilà, bien connu depuis très longtemps. On connaît la toxicité et le fait que c'est un reprotoxique. Voilà, très toxique donc, pour le processus de reproduction. Et les anciens salariés de ce laboratoire qui a fermé l'année dernière, en fait, ont fait le lien entre leur exposition et des graves soucis de santé qu'ils ont eus. Et donc, parmi ces graves soucis de santé, il y a eu des cancers, des malformations chez les enfants, mais aussi des grandes difficultés à concevoir, des fausses couches à répétition, etc. Et les gens n'avaient pas forcément fait le lien avant entre leur exposition et ces soucis de santé. Et là, du coup, bah, comme les salariés se sont un peu tous, ont commencé à parler entre eux, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était peut-être leur exposition à l'oxyde d'éthylène qui avait causé tout ça. Et donc là, en ce moment, il y a une première demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour ces troubles de la fécondité qui a été déposée au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides.
Donc voilà, ce serait la première, voilà, c'est la première demande, en tout cas, enfin si elle était validée, ce serait la première fois qu'on reconnaît des troubles de la fertilité en maladie professionnelle. Et voilà, ça ouvrirait le droit à des poursuites et des indemnisations, mais ça peut-être que Laura saurait mieux en parler. Et pareil, il y a aussi des nouveautés dans la législation au niveau des expositions professionnelles et notamment aux expositions aux reprotoxiques. Mais voilà, encore faut-il que ça soit après appliqué en entreprise, quoi. C'est toujours un peu la même chose. Mais peut-être que je vais laisser Laura parler de ce côté-là. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Effectivement, je rebondis pour un complément législatif là-dessus. Alors, sur le dossier Tétra, effectivement, c'est une avancée hors norme, hein, puisque 80 salariés à date, alors je ne sais pas si ça a évolué depuis mes dernières recherches, ont lancé une procédure prud'homale, hein, puisqu'on est aussi sur le plan prud'homal concerné avec des demandes de préjudice d'anxiété notamment. Contre leur employeur, puisque ça a créé pour eux des problématiques de santé au travail, puisqu'ils n'étaient pas du tout prévenus, ni formés à l'exposition des risques, ni protégés par des équipements suffisants. Donc on a cet aspect-là, préjudice d'anxiété. Et alors pour que ce soit appliqué bien en pratique dans les entreprises, malgré tout, on a deux éléments à vous exposer aujourd'hui. Une directive européenne de 2022 a permis d'intégrer en droit français un renforcement des droits des salariés qui sont exposés à des risques professionnels plus importants par la formation à l'embauche, puis par la formation renforcée au cours du contrat de travail sur comment éviter l'exposition au risque, comment l'éviter par le port de tenues obligatoires, des équipements de sécurité, puis après en pratique dans la journée, comment éviter ne jamais manger sur son lieu de travail, mettre en place des sas de sécurité, etc. Donc ça, c'est un premier plan de renforcement des droits des salariés. Et l'inspection du travail, et ça faut le savoir, c'est basé sur cette directive pour mettre en place un plan d'action qui est en cours depuis janvier 2023, qui dure jusqu'en 2025, avec contrôle inopiné des entreprises pour vérifier si le document unique d'évaluation des risques a été mis à jour sur la base de cette directive-là et si des mesures de prévention plus renforcées ont été aussi mises en place dans les entreprises concernant ces reprotoxiques spécifiquement. Hein, l'inspection du travail a bien inscrit ce terme-là dans son plan d'action, mesures de prévention au niveau notamment donc d'attention portée sur les reprotoxiques. Donc ça ne va pas concerner toutes les entreprises, évidemment, ça ne va concerner que les entreprises qui sont potentiellement sujettes à ces risques-là, chimie, plasturgie, caoutchouc, etc. Enfin voilà, on n'est pas sur des entreprises de bureaux d'études techniques avec juste des ordinateurs, enfin quoique, on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, voilà, l'inspection du travail s'est ralliée à l'Union européenne sur ces sujets-là. Donc on est sur une avancée hein, jusqu'en 2025. Mais il faut veiller peut-être à sensibiliser vos managers si vous en sentez la capacité, si vous-même vous êtes manager peut-être. De pousser dans ce sens-là sur les mesures à mettre en place pour éviter l'exposition à ces risques professionnels, ou en tout cas au rythme de travail qui pourrait bousculer la fertilité. Après, moi, je pense aussi à toutes les petites, même les auto-entrepreneuses, par exemple, qui travaillent dans tout ce qui concerne les ongles, là. Oui, c'est Les vrai. ongles, les coiffeuses aussi. Je sais qu'elles sont très, très, très exposées à des produits reprotoxiques. Les personnes qui travaillent aussi dans les pressings. Alors, il y a des pressings industriels, évidemment, mais il y a aussi bah, des pressings en ville et tout ça. La difficulté, c'est toujours un peu la même chose, c'est que le sujet fertilité, infertilité, ça peut vite être anxiogène, surtout quand on le lie aux problématiques qu'on vient d'évoquer sur la santé environnementale, les produits toxiques, les perturbateurs endocriniens qui sont à la fois dans notre environnement personnel et dans notre environnement professionnel. Donc il faut réussir à informer et à sensibiliser les gens sans angoisser tout le monde, parce que sinon après on se retrouve à vivre des choses aussi stressantes. Juste quand vous parliez, Nathalie, tout à l'heure des plateformes là il y a ma collègue Céline qui a enregistré une vidéo avec la plateforme Reprotoxif qui est sur Paris.
Voilà, qui sera diffusée cette semaine, je ne sais plus quand. Et je pense que vous avez vu aussi l'article qui est paru ce week-end ou vendredi, je ne sais plus, jeudi de la semaine dernière, sur l'impact des téléphones portables Ah oui. sur la fertilité masculine. Donc ça, c'est un sujet pareil qu'on entend en bruit de fond depuis très longtemps. Il y a des lanceurs d'alerte que je pense tout le monde prend pour un peu des uluberlus. Et là, cette étude suisse qui montre bien que la chaleur, parce que c'est pas forcément les ondes, mais c'est la chaleur produite par les ondes, ils ont constaté un vrai impact sur la mobilité, je crois, des spermatozoïdes des hommes exposés. Donc là, c'est pareil, il faut communiquer sur ces questions-là, mais face à cet outil du téléphone portable, je pense qu'il va falloir trouver des communicants qui sauront trouver les bons mots pour dire à tout le monde de faire attention vis-à-vis de ces expositions-là. Alors, on sait aussi, par exemple, pour les hommes, qu'il n'est pas du tout recommandé d'avoir les ordinateurs portables sur les genoux quand ils travaillent, que les personnes, enfin, les hommes qui conduisent les trains ou qui sont chauffeurs de poids lourds aussi ont des expositions parce que vu qu'ils restent toute la journée assis, enfin, ils restent des longues périodes assis. Ben là, c'est pareil, la chaleur au niveau de leurs testicules, elle n'est pas. Donc il y a une espèce de quand même de révolution à faire dans le monde de l'entreprise hein, sur ces questions-là. Donc est-ce que vous, dans vos interventions, Liora, que vous faites auprès des entreprises, est-ce que vous constatez qu'elles cherchent de plus en plus à. Parce que voilà, les gens qui sont dans les entreprises, c'est aussi des gens comme nous, donc ils ont envie que la meilleure santé possible hein, pour leurs salariés. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même que les choses frémissent ou que là, on est une prise de conscience qui est de plus en plus importante et donc des actions qui se. Et puis peut-être aussi les entreprises entre elles qui se challengent parce que. Quand le voisin, il met en place des choses, ça donne envie peut-être aux autres de faire aussi bien. Alors, si je sens un balbutiement de mesures, mais plus parce que les salariés en sont à l'initiative. D'accord. Et ça ne vient pas de l'entreprise, ça vient vraiment des salariés qui voilà, demandent à ce qu'il y ait des aménagements de poste qui soient faits, qui demandent voilà, à ce qu'il y ait du télétravail qui soit mis en place sans forcément donner les motifs. On a mis quand même en place un accord de télétravail menstruel pour une petite entreprise. Sur Bordeaux, enfin voilà, on est sur du balbutiement de choses, mais ça ne vient pas de l'entreprise elle-même, puisqu'elle est quand même en recherche de productivité intense et de chiffre d'affaires et de croissement, et voilà. Mais en tout cas, oui, je sens quand même qu'il y a des choses qui vont être faites, mais je pense qu'on est sur une génération de salariés qui arrivent et qui vont faire bouger les lignes, parce qu'on est sur les plus jeunes générations, en tout cas, ça n'est plus une génération de ce que je ressens, et ça, par contre, c'est vraiment constaté partout, qui veut subir son quotidien. C'est une génération active et qui va tenter, voilà, dans la mesure du possible, d'obtenir des aménagements de poste pour concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle. Et ça, c'est réellement constaté, pas forcément dans le cas de la santé ou des parcours PMA, mais plus généralement parce que les jeunes générations ne veulent plus subir leur quotidien au travail, leurs conditions de travail, et elles veulent profiter de leur vie, tout simplement. Et ça va peut-être aider aussi les personnes qui ont des soucis de santé à obtenir gain de cause par leur direction. Parce qu'il y a un peu un rôle, la force s'inverse. Ouais. Les difficultés de recrutement sont réellement constatées dans tous les secteurs. Donc les employeurs sont obligés de s'aligner un petit peu sur les demandes qui sont faites. Et ça va sûrement aider toutes les personnes en parcours PMA. Allez, vous Moi, je vouliez voulais rajouter juste quelque chose? rajouter peut-être quelque chose. C'est que faut pas oublier le rôle du médecin du travail. Enfin, j'ai eu une médecin du travail qui me disait vraiment, dites bien qu'on est lié par le secret professionnel, en fait. Donc voilà, souvent les gens ont un peu peur de parler de leurs difficultés. Médecins du travail, ils n'ont pas toujours confiance. C'est quand même des personnes qui sont liées par le secret professionnel. Et parce que ça peut aussi faire un peu peur, les aménagements de poste.
On peut se dire, voilà, est-ce qu'il y aura une répercussion sur mon emploi? Enfin, j'ai eu des gens qui m'ont dit ça quand même. Et puis, sur le plaisir au travail, voilà, si on va me mettre au placard, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que ça peut durer très longtemps. Bon, voilà, rien n'empêche de se confier au médecin du travail qui pourra peut-être bien comprendre ou identifier quels sont les risques, comment y faire face, etc. Sans forcément faire des aménagements de poste ou en trouvant des stratégies. Voilà, pour pas que ça soit pénalisant pour le salarié. Voilà. Et puis l'autre point, c'est que on en avait parlé plusieurs fois, c'est la non prise en compte de l'avant-conception. Et donc, bon, il y a que, enfin, concernant la femme enceinte, ce serait peut-être le conseil de déclarer sa grossesse assez tôt pour essayer de limiter les expositions, même si bon, y en a toujours un peu, mais voilà, si. Je pense que c'est aussi un point à rappeler, c'est-à-dire que voilà, les premières semaines sont quand même importantes. Et quand il y a, quand vous savez, mais souvent les salariés ne savent pas aussi qu'ils sont exposés. Hein, bon, voilà. Donc c'est bien de se poser des fois juste la question, est-ce que je suis exposée à quoi? Voilà. Et puis, si on sait qu'on est exposé, déclarer sa grossesse assez tôt, quoi, parce que pour limiter les expositions, tout simplement. Oui, mais parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui, en 2023, la force et le pouvoir et la prépondérance du monde du travail sur le reste de la vie, finalement. Et les gens, les femmes lambda, être enceinte, c'est encore un problème pour beaucoup d'employeurs. Donc, toute la période avant, où on n'est pas encore enceinte, mais on essaye de l'être, et ça dure un temps indéfini qu'on ne peut pas vraiment contrôler, ça complique vraiment la donne. Alors, Laura, moi j'avais une question très précise, parce que nous, on est. Et puis après, si les spectateurs ici présents ont des questions, alors on sera sur des questions très générales et pas des questions individuelles, parce que voilà, si vous avez des soucis. Personnel, je pense qu'il vaut mieux aller voir une avocate ou un avocat et discuter de façon individuelle de votre situation. Mais on est très 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 régulièrement interpellé sur l'utilisation des autorisations d'absence pour des parcours d'AMP qui se font à l'étranger. Alors on nous dit toujours, mais parce que la loi est floue, elle ne dit pas que les autorisations d'absence sont que pour des AMP qui sont faites en France. Voilà, nous c'est un sujet de complication parce que pour les avoir portées, ces autorisations d'absence, au moins en partie, c'était ce qui était bien expliqué, c'est que c'était pour couvrir des temps d'absence courts quand on est au monitoring et qu'il y a 80 personnes avec nous pour le monitoring et que donc on va arriver en retard au boulot ou parce qu'il faut partir un peu plus tôt pour aller au rendez-vous avec le X praticiens, mais pas pour des absences de plusieurs jours, alors que ce soit à l'étranger ou en France d'ailleurs, hein, mais pas pour des absences de journée complète et sur plusieurs jours. Même si je sais par ailleurs qu'il y a, comme vous l'avez dit, des entreprises qui sont généreuses avec leurs salariés et qui donnent des autorisations d'absence sur des demi-journées, sur des journées. Mais qu'est-ce que ça implique, cette espèce de flou de la loi que les gens utilisent depuis quelques années. Alors, c'est une très bonne question, effectivement, et je pense que le législateur va se saisir de cette problématique, puisque là, on est dans un vide juridique, hein. C'est ce qu'on appelle un vide juridique. La loi ne prévoit pas ce qui peut se passer pour un parcours AMP à l'étranger. Il faut vraiment se dire que les textes du Code du travail, et donc là, on est sur l'article L1225-16 et suivant du Code du travail, ne sont réservés qu'aux parcours en France, avec des temps de trajet limités, puisque l'employeur doit prendre en charge maintenir en tout cas la rémunération du salarié pendant son examen et sur le temps de trajet aller-retour. Ça n'implique pas un vol, un train qui entraînerait une absence d'une journée entière. Malheureusement, on est vraiment sur des absences autorisées limitées. En l'absence de précision du législateur, je vous déconseille malgré tout de forcer, on va dire, la main à votre employeur pour qu'il y ait un maintien de rémunération sur 1, 2, 3 jours, puisque ça pourrait créer un conflit social important avec votre entreprise qui ne se terminerait pas en votre faveur, malheureusement.
Ce que je peux vous conseiller, par contre, c'est de trouver un arrangement amiable avec votre employeur dans la mesure du possible. C'est toujours pareil, on ne sait pas voilà, quelle est votre situation avec ce dernier, mais peut-être négocier du télétravail sur 1, 2, 3 jours pendant votre temps de déplacement à l'étranger. Ce que j'imagine, alors je ne maîtrise pas du tout les parcours à l'étranger, mais j'imagine que c'est un peu comme en France avec des temps de latence qui vous permettraient de travailler à distance. Ça pourrait être possible de le faire. Vous pouvez aussi voilà, solliciter auprès de votre médecin traitant si votre santé morale, hein, mentale ou physique ne vous permet pas de travailler un arrêt maladie. Mais hormis ces cas-là, enfin, et bien évidemment les congés payés classiques, hormis ces cas-là pour l'AMP à l'étranger, hein, bien sûr, vous ne pouvez pas imposer à votre employeur un maintien de salaire sur la durée de votre déplacement à l'étranger qui peut aller jusqu'à une semaine, si je comprends bien. Donc, c'est évidemment, ça outrepasse les droits qui vous sont accordés par le Code du travail actuellement. Mais on est sur une avancée puisque ce parcours va être de plus en plus fréquent à l'étranger et on attend forcément une position du législateur sur les prochains mois, voire semaines, en espérant que ce soit fait rapidement. En sachant que là, pour le coup, la jurisprudence, enfin les cours d'appel, les prud'hommes, tout ça, ne seront pas du tout aussi favorables que vous l'exprimiez au début vis-à-vis des salariés, parce que Je ça pense. serait contraire à la loi. Oui. Nathalie, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, là-dessus, moi, j'ai pas du tout eu de contact avec des personnes qui auraient été dans ce cas-là à faire un parcours à l'étranger. Donc. OK. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, les dames, parce que voilà, c'est toujours des dames qui sont présentes. En attendant que vous puissiez les écrire, donc on peut quand même rappeler, donc, votre article est sorti hier, donc dans Hier, oui. Mediapart. Vous aviez fait un autre article dans la... Entreprise et carrière, oui, qui est Voilà. une revue qui a disparu malheureusement, mais voilà. Mais du coup, c'était au printemps dernier, donc c'était quand même assez récent, mais je suis pas sûre qu'on puisse retrouver D'accord. l'article en ligne malheureusement. Mais l'article de Mediapart, par contre, oui, il a été mis en ligne hier. Et voilà, il est sur les expositions professionnelles. On ira voir ça et on partagera le lien pour que le plus de monde Merci. puisse le lire. Alors, y a Estelle qui lève la main. Oui. Tu peux pas parler, Estelle. Donc il faut que tu écrives. Alors attends. Ah oui, d'accord. Ah oui, une question. Peut-on juste dire à l'employeur que nous sommes en parcours et lui présenter les justificatifs sans lui dire les détails des protocoles? Moi, je dis Bien sûr. toujours oui, ça ne le Bien concerne sûr. pas le détail. Tant qu'il a un justificatif, et encore, ce n'est pas tous qui les demandent hein, en plus, hein, tant qu'il a les justificatifs avec la présence à un rendez-vous médical en clinique, c'est la seule information dont il doit avoir connaissance. Hein. Le Oui, reste c'est est ça. soumis au secret médical. Voilà, c'est ça. Lui, il a juste à connaître que la personne est absente en fonction de l'article L1225-16 du Code du travail. Estelle, alors, quelle durée de conservation pour les justificatifs par l'employeur? Alors là. Alors ça, c'est une question RGPD, hein, du coup. Alors c'est la CNIL hein, qui gère ce type de questions-là et c'est le temps de la défense. Donc c'est très large, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir conserver ces éléments, le temps de la durée de votre contrat de travail déjà dans un premier temps et ensuite le temps de prescription si vous agissez en justice. Et donc la prescription, c'est au maximum 5 ans en général en matière prud'homale, donc il peut les conserver, c'est ce qu'on comprend des textes, hein, des résolutions de la CNIL, 5 ans. Vous ne pouvez pas imposer à votre employeur de les détruire avant. D'accord. Alors Estelle, donc tu as réussi à poser ta question. Donc là, c'est pour les parcours longs, mais qui se font en France. Par exemple, les patients qui résident en Corse et pour qui il n'y a pas de centre d'AMP sur place et donc ils doivent prendre le bateau, l'avion pour aller sur le continent. Les personnes qui sont suivies dans le cadre de diagnostic préimplantatoire, en sachant qu'il n'y a que 5 centres en France et donc vous pouvez habiter à
Caen, comme moi, et vous retrouver au centre de DPI de Grenoble ou de Montpellier, ce qui nécessite des temps de transport, des déplacements. Je pense aussi au territoire d'outre-mer, où les gens doivent traverser l'Atlantique pour venir faire des protocoles d'AMP. Alors malheureusement, on entre un peu dans le même cadre que l'absence pour l'AMP à l'étranger. Hein. Le texte de loi a été vraiment rédigé pour, vous savez, des centres de FIV avec des temps de trajet. Alors il n'y a pas de limite hein, qui est prévue par la loi. La jurisprudence ne le précise pas non plus vraiment très clairement. Mais c'est des temps de trajet aller-retour qui sont courts puisqu'il faut devoir retourner travailler dans la journée. C'est un peu l'idée. C'est Donc ça. l'employeur, en fait, maintient le salaire, le temps du rendez-vous et trajet aller-retour, à condition que le salarié puisse retourner à son poste de travail. Donc, si vous avez un déplacement qui implique une journée banalisée, entre guillemets, puisque vous avez des transports à prendre, type avion, bateau, etc., on va rentrer dans ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'AMP à l'étranger, à savoir un arrangement amiable avec votre employeur dans la mesure du possible. Et si la discussion, le dialogue est rompu et que, ou alors que vous n'avez pas forcément envie d'en parler et que vous sentez que votre hiérarchie ne serait pas coopérative, dans ce cas-là, il faut que vous passiez sur des mesures plus lourdes, type arrêt maladie par votre médecin traitant, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est qu'à l'époque, en 2016, on avait tout à fait conscience que les autorisations d'absence ne pouvaient pas couvrir toutes les situations. On avait aussi, par exemple, les situations des marins qui partent en mer pendant très longtemps et quand ils doivent faire une AMP, ben voilà. Donc, il y avait des propositions là qui se font vraiment avec les centres d'AMP, par exemple, de congé du sperme pour monsieur. Et pour qu'ils puissent partir travailler et que les médecins et la conjointe gèrent le protocole en dehors. Donc, les autorisations d'absence, elles étaient vraiment arrivées en plus des arrêts maladie quand c'est possible. Donc, on a les arrêts maladie et les autorisations d'absence, mais pas forcément d'autres outils. Voilà. Après, nous, on a toujours imaginé que. On pouvait faire progresser la loi. Je ne sais pas si vous pensez que c'est possible, Mais oui, c'est ça, ça. ou ça, ou si c'est une trop grosse charge. Il y a aussi le télétravail qui se développe beaucoup. Donc, dans ces cas-là, ça peut être une option. Mais bon, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on demande le télétravail sans préciser pourquoi ou... Voilà. Mais comme ça s'est beaucoup développé aussi, bon, ça peut être aussi une option des fois. Alors là, il y a Marie qui demande. Quid des autorisations d'absence pour les rendez-vous entre la conception et la déclaration de grossesse qui intervient 12 semaines. Il est fréquent d'avoir une ou deux échographies après la réussite d'une tentative et l'écho du premier trimestre. Alors, est-ce qu'on est encore dans le parcours d'AMP ou est-ce qu'on est sur le suivi de grossesse qui sont sur le même article dans le Code du travail? Alors, ces rendez-vous-là, effectivement, ces échographies-là obligatoires par les centres FIV en général, ne sont pas prévues par le Code de la santé publique, mais, et là, c'est une interprétation, on va dire, littérale du texte que j'ai pu faire et dont je me suis servie allègrement pour mon propre cas personnel. Comme ce sont des échographies qui sont réalisées par les centres FIV, on peut dire que c'est des examens médicaux nécessaires pour le parcours, puisque c'est des échographies qui sont liées à ces grossesses précieuses qui sont le résultat d'un parcours PMA. Donc, vous pouvez effectivement vous prévaloir de ces autorisations d'absence rémunérées dans ce cadre-là. Par contre, après, passer les délais d'échographie obligatoires par les centres FIV, vous allez entrer dans un parcours de grossesse classique avec un suivi gynéco mensuel et trois échographies obligatoires. Et là, ça sera les textes du Code du travail qui vont basculer sur le suivi de grossesse classique. Et donc là, c'est des autorisations d'absence rémunérées pour les échographies. Mais en tout cas, pour ces premières échos de tout début de grossesse par le centre FIV, vous pouvez vous prévaloir auprès de votre employeur. Et donc, vous demandez, comme d'habitude, à votre centre de vous faire un justificatif d'examen médical dans le cadre d'un début de grossesse ou d'un parcours PMA, hein, sans préciser début de grossesse si vous ne le souhaitez pas. Hein. Il s'adapte en général. Hein. Oui, les médecins savent bien que, Oui. enfin, connaissent bien l'existence de cet article du Code du travail et ont des documents déjà tout faits. Est-ce que ces absences autorisées valent aussi pour tous les monitorings, prises de sang, rendez-vous gynéco? Dans ce cas, quel justificatif fournir?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le code du travail renvoie au code de la santé publique, lequel dit que c'est pour tous les examens médicaux nécessaires au parcours. Donc, il n'y a pas de limitation sur les rendez-vous qui sont concernés. Donc, c'est tous les rendez-vous que votre gynécologue estimera nécessaires. Donc, le temps de la stimulation, tous les monitos, toutes les prises de sang, les échographies, qui vont aboutir ensuite à la fin de votre protocole. Et ça, pour chaque protocole. Donc, les justificatifs, c'est les justificatifs que vous demandez à l'accueil en général, à l'hôpital ou au centre FIV, où sera écrit, voilà, madame, enfin, votre nom était présente ce matin pour tel rendez-vous dans le cadre d'un parcours PMA, mais pas plus de précision nécessaire. Hein. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les médecins ou les centres d'AMP essayent de plus en plus de rassembler les rendez-vous. Alors après, si on rassemble les rendez-vous, finalement, on est absent plus longtemps. Donc là, je pense qu'il y a encore des choses qu'il faut qu'on arrive à ajuster pour améliorer le plus possible cette articulation entre la vie privée, la vie professionnelle et les parcours d'AMP. Alors, avec 2 heures de trajet, des fois 2 rendez-vous par jour, impossible même en voiture de retourner travailler après ça. Entre les absences de la loi classique, ça entre dans les absences de la loi classique à titre exceptionnel. Oui, c'est-à-dire que les autorisations d'absence existent à côté de tout un tas d'autres autorisations qui ont été développées par les entreprises ou par les. Donc il y a quand même la possibilité de s'organiser, en tous les cas, quand le dialogue avec l'employeur ou avec la DRH est de bonne qualité, pour essayer de faciliter le plus possible. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses qu'on aurait oublié de dire, mesdames? Pense qu'on est bon. Après, voilà, n'hésitez pas, alors c'est pas pour faire ma pub du tout, hein, mais je publie assez régulièrement sur LinkedIn des choses sur cette problématique. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, voilà, me solliciter sur LinkedIn si vous avez des questions complémentaires. Je vous répondrai avec plaisir et gracieusement, bien sûr. Hein, voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Nathalie, on vous Non, moi, retrouve. j'ai dit le principal. Merci beaucoup. On vous retrouve dans d'autres articles, sur J'espère. d'autres sujets peut-être aussi. J'espère. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qu'on peut dire aussi du point de vue de l'association, c'est qu'on est. On donne à nos adhérents tout un dossier qu'on a fait sur AMP Travail. On a essayé de rassembler à la fois enfin, les articles de loi et d'expliquer pour que le mieux possible pour que les personnes puissent dialoguer. Parce que c'est sûr que c'est pas forcément simple de comprendre ces histoires d'articles de loi, la subtilité de la loi. Voilà, donc chaque adhérent de l'association reçoit ce dossier. Qu'on essaye d'actualiser le plus possible. Et puis tous les bénévoles de l'association sont là aussi pour accompagner les personnes. Parce que des fois, les gens s'engagent dans une relation un peu conflictuelle avec l'employeur. Donc voilà, c'est bien d'avoir aussi de savoir qu'il y a des gens qui vous comprennent et qui peuvent vous dire, mais non, non, tu as raison, tu es dans ton droit, il faut re faire respecter. Faire respecter les droits, et on sait bien que c'est pas simple de faire respecter ces droits. Donc les petits soutiens qu'on peut se permettre en tant que bénévole auprès des personnes qui nous sollicitent, voilà, nous on soutient toujours les personnes, on les écoute et on répond à leurs questions dans la limite de nos compétences, évidemment. Parce qu'on n'est pas juriste, on n'est pas avocat. Donc, voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie, mesdames. Merci. Merci beaucoup à tous. Et puis, je dis à tout le monde à bientôt. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.